Ça y est, on y est, nous sommes en Nouvelle-Zélande. Du coup, le trajet, on est parti de Bordeaux, on est allé à Paris en train. Premier avion, Charles de Gaulle, Francfort en Allemagne. Vol rapide, donc ça tranquille, genre 1h30. Ensuite, Francfort, Singapour. Et ensuite, Singapour, Auckland, en Nouvelle-Zélande. La compagnie qu'on a prise, c'était Lufthansa. Je conseille pas du tout cette compagnie, vraiment, n'y allez pas, fuyez. Ils sont horribles. C'est pas du tout. En long courrier, c'est vraiment horrible. Genre 12 heures, t'as des sièges pas du tout confortables. Les tablettes là, qui sont censées te divertir, t'as que ça pour te divertir, ça ne marche pas. Les sièges, tu peux pas les baisser, enfin, y a des sièges qui sont pétés. Y a gavé de poussière, donc tu respires mal, voilà. Donc vraiment moins 10 sur 20. Du coup, quand on est arrivé, on était totalement déphasé. Le jet lag était violent, il y a 12 heures d'écart entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et où on est? Donc on est à Auckland. Auckland qui se situe au nord de l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Une petite carte. Et donc nous on est à Howick, donc c'est la banlieue d'Auckland, la banlieue à l'est, sud-est. Et on est dans un petit quartier tout mignon, donc c'est vraiment un petit quartier résidentiel, des petites maisons, petits enfants qui rentrent de l'école, c'est chou, les oiseaux chantent et les petits jardins sont mignons quoi. Nous du coup on vit chez Jewel, c'est une retraitée super active qui court dans tous les sens, elle est très sympa. Elle adore la France, genre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup elle adore la France. Du coup, on n'est pas dépaysé, hein, on en voit partout. Et voilà, donc ça c'est marrant. Et anecdote de ouf, vraiment genre truc de ouf. Donc Jewel, elle a 4 filles. Bon, elle est à la retraite, hein, donc ses filles, c'est des mamans quoi, elles sont toutes mamans. Et une d'elles est chanteuse, enfin était chanteuse de base, et maintenant est productrice. Et donc a produit le dernier album, je sais pas en fait s'il y en a eu plusieurs, mais a produit du coup l'album, ou le dernier, du Dalai Lama. Ce qui est absolument dingue. Genre elle l'a rencontré plein de fois, ils se sont vus plein de fois, elle l'a enregistré, et ils ont fait des soirées ensemble, je sais pas si on peut appeler ça des soirées, parce que bon c'est le Dalai Lama. Et du coup Jewel, ici, a assisté à une de ses soirées en Nouvelle-Zélande quand elle est venue. Du coup, truc de ouf. Et donc du coup Jewel a nous raconté ça, elle était avec son iPad en train de nous montrer les photos de sa famille, avec le Dalai Lama, j'allais y arriver. Et là, une photo arrive et on voit pas Rita Ora à côté de sa fille, elle nous dit « Oh, she's a friend of my daughter !» Voilà, donc sa fille est pote avec Rita Ora, je sais pas si on se rend compte, voilà, on est dans la maison d'une star, enfin la maison d'une pote de star plutôt. Voilà, c'est plutôt dingue. Au niveau de la langue, ça va, on se débrouille. C'est pas le top, mais franchement, on arrive à se faire comprendre. Même si par moment, les gens nous regardent en mode « qu'est-ce que vous dites ?» Et nous, on les regarde en mode « parce que du coup, ils ont un accent super fort et ils parlent super vite. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils parlent super méga vite quand c'est leur rythme normal. Couplé à un accent hardcore, c'est quelque chose genre. Tout à l'heure, on est rentré dans une boutique, il y a une vendeuse, elle est arrivée avec son chewing-gum en mode comme ça déjà, genre tu fais quoi? En plus elle se dandinait trop bizarre, genre c'est quoi cette attitude? Genre qu'est-ce que tu fais devant les clients? Et puis là elle commence à nous parler, on n'a rien compris, c'est vraiment des termes, ah yeah, yeah, vraiment on hochait la tête comme ça. C'était terrible comme moment. Mais voilà, on arrive à se faire comprendre. Et ce qui est cool du coup, c'est de loger là chez une locale parce que comme ça, on peut avoir des discussions avec elle. Un peu de tout et de rien dans la vie quotidienne et ça nous fait bosser, donc très bien. C'est très très bien comme ça, voilà, je recommande, hein. Ça fait 3 jours que je suis là, mais je recommande ce système, aller chez les gens c'est mieux. Alors le temps, depuis qu'on est là, il pleut, donc en vrai c'est super bien parce que comme ça on a pu se reposer à fond avec le jet lag qui nous a achevé, clairement, 12 heures d'écart c'est terrible, sans culpabiliser, vu qu'il faisait pas beau, pas de problème. Donc ça c'est cool, et puis demain il fait beau, voilà voilà. Du coup on est arrivé mercredi matin, ce qui était pour vous mardi soir. Et donc mercredi, dodo, hein, on a fait que dormir toute la journée, vraiment. On est arrivé, on s'est lavé parce qu'on n'en pouvait plus et on a dormi. Ensuite, jeudi, première sortie, on est allé faire une petite balade à pied dans le quartier, dans les petits environs, et on est allé faire nos petites courses. Très sympa l'expérience des courses, nouveaux magasins, des produits inconnus partout, des prix inattendus. Enfin inattendus, en vrai ça va, mais vu que tout est en dollars NZ et que c'est beaucoup plus élevé, enfin plus élevé que l'euro, ça fait mal, enfin ça fait pas mal, mais quand tu vois les étiquettes, t'as peur quoi. Voilà, que dire d'autre? Donc ouais, si, c'est ça. Jeudi, première sortie, course et sieste. On était encore bien fatigués quand même. Et puis il est arrivé aujourd'hui, où enfin on s'est réveillé à une heure relativement correcte, genre
7 ou 8 heures, je sais plus, mais enfin on a fait une bonne nuit, donc ça c'est cool. On arrive à peu près à se caler. Bonne nuit, et puis il pleuvait, gavait, genre là toute cette nuit, c'était le déluge, ce matin encore, et du coup bah on avait prévu en vrai de rester là et de faire toutes les petites formalités administratives qu'il faut qu'on fasse. Mais Jewel nous a proposé de nous emmener un énorme centre commercial, et en vrai c'était une très bonne idée, vu qu'il pleuvait, donc ça nous a fait sortir. Je me suis acheté des lunettes de soleil, parce que la lumière brûle totalement la rétine. Voilà, vraiment on le sent, tu sors dehors 5 minutes sans lunettes, tes yeux ils sont comme ça. En plus, vraiment, avec les kilos, on a les yeux bleus, donc on est comme ça, ça te donne la migraine, c'est horrible, vraiment, le trou dans la couche d'ozone, tu le sens bien. On a testé pour la première fois, du coup, les transports, genre le tram, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un tram, en fait, c'est un peu comme un TER chez nous, parce que c'est pas dans le centre de la ville, genre, c'est un peu à l'écart, et les voies, elles sont en hauteur, mais ça a la gueule d'un tram, pas du tout un TER. Mais eux, ils appellent ça métro, en plus, sur les affiches, il y a marqué métro. Donc bref, on a testé les transports, ça et le bus. Et ça va, pour le moment je valide, bonne expérience, les sièges sont mignons, les trucs pour se tenir sont en cuir, vraiment, c'est quali. Seul point négatif, on comprend pas trop le système, du coup on a dû acheter une carte. Alors déjà pour acheter les billets on comprenait rien, où c'était, comment il fallait faire. On a fini par trouver, et en fait c'est par zone, c'est pas par trajet, enfin c'est par trajet mais c'est aussi par zone, genre on n'est pas sûr d'avoir compris. Du coup il faut qu'on demande à Jewel qu'elle nous explique ça, parce que c'est pas clair du tout. Mais voilà, franchement c'est bien. C'est bien... Ça a l'air bien desservi. Donc ça va bien nous servir, je pense. Et voilà. Du coup, demain, comme je disais, il va faire beau. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Mais vous verrez ça demain. Enfin, demain, non. Quand vous voyez cette vidéo. Mais du coup, je filmerai demain et je rajouterai ça à la suite de maintenant. Me gusta mucho. Hoy quiero más. Hoy no lo puedo.